Alors, ici j'ai le nombre 46. Alors, ce 46, ben, on sait déjà comment il est constitué. En fait, ce 4 qui est là, il est à la place des dizaines. Ça, c'est la place des dizaines. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 dizaines. Dans 46, il y a 4 dizaines. Effectivement, c'est ce que j'ai représenté ici. Là, si tu comptes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est une dizaine. Là, il y a une autre dizaine. Je vais écrire que c'est voilà une autre dizaine ici il y a une autre dizaine là je vais l'écrire en dessous j'ai pas assez de place voilà et puis là j'ai une troisième une quatrième dizaine hein. donc c'est bien ce que j'ai représenté ici j'ai un, 2 3 quatre dizaines c'est ce que j'ai représenté ici avec ce 4 dans la position des dizaines à côté le chiffre qui est là le 6 il occupe la place des unités donc ça, ça veut dire que dans 46, il y a 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien ce que j'ai représenté ici. Donc voilà, le nombre 46, c'est 4 dizaines et 6 unités. Alors je vais pouvoir l'écrire comme ça. Hein. Je vais l'écrire ici. 46, je vais respecter les couleurs. 46, c'est 4 dizaines. 4 dizaines. Plus 6 unités. 6 unités. Voilà. Alors là, je n'ai rien appris de neuf. Hein. Par contre, là maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'assez intéressant. On va essayer de soustraire un nombre de ce 46. Alors en fait, on va commencer par faire par essayer de soustraire 4 unités. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de faire cette opération-là. 46. 46, je respecte les couleurs encore. Moins 4. 46 moins 4. Alors, 46 moins 4, ça va être un nombre aussi, donc il va avoir un certain nombre de dizaines, je vais l'écrire comme ça. Pour l'instant, j'écris un certain nombre de dizaines, je ne sais pas combien il y en aura, plus un certain nombre d'unités. Plus un certain nombre d'unités. Je fais pareil, j'attends, il faut que j'arrive à déterminer combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités. Alors, je prends mon nombre 46 qui est représenté ici avec des carreaux. Et en fait, ce que je vais faire c'est enlever 4 unités, puisque là c'est bien l'opération que je dois faire, hein. 46 moins 4, ça veut dire que je prends 46 et que je lui enlève 4 unités. Alors bon, je peux enlever par exemple celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc là, en fait, j'ai représenté le, le résultat de cette, sou, de cette soustraction. Donc je vais compter maintenant, je vais regarder combien il y a de dizaines. Donc combien j'ai de dizaines J'en ai toujours, j'ai toujours ces 4 dizaines, hein. j'ai rien changé sur les dizaines, donc j'ai toujours 4 dizaines. Et puis ensuite, euh, je vais compter les unités. Alors maintenant, les unités, par contre, j'en avais 6 et j'en ai enlevé 4, il m'en reste 2. Donc finalement, le résultat de cette soustraction, 46 moins 4, eh bien, ça fait 4 dizaines plus 2 unités, c'est-à-dire que ça fait 42. Hein. Donc je peux l'écrire comme ça, 46 moins 4, 46 moins 4 unités, ça fait 42. 4 dizaines, ici, et 2 unités. 42. Voilà. Alors bon, c'est assez clair hein, ce qu'on a fait, je pense. Euh, tu peux voir ici, les 4 dizaines, on les retrouve ici, puisqu'on n'a pas enlevé de dizaines. Et par contre, euh, on avait 6 unités, on en a enlevé 4, donc il nous reste 6 moins 4, c'est-à-dire 2 unités. Voilà.